Bonjour. Le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Bonsoir amis explorateurs, cette vidéo n'est pas un exemple à suivre, les risques énumérés sont réels et le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ne mettez pas votre vie en danger pour rien. YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en situation d'urbex, comme d'habitude, avec mon acolyte ici présente, hein, qui est Rosemary. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, toi, Rosemary? J'ai eu des informations, donc c'est une usine. Apparemment, elle aurait explosé en 2006. Tout à fait. Donc, depuis 2006, elle est à l'abandon parce que personne n'a voulu retravailler ici. Donc, on va vous faire visiter. Par contre, on n'a pas recherché. C'est venu comme ça en passant dans la montagne. Donc vraiment, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc on verra. On verra. Et pour une petite information supplémentaire, l'information a été transmise par une vieille dame qui était sur le parking de l'usine, qui nous surveillait. Et nous, comme on était intelligents, on a stoppé. On s'est dit, ah putain, si elle appelle les flics, on est dans la merde. Alors on a attendu. Elle est venue vers nous. On a commencé à papoter avec elle. On lui a dit, je suis photographe, blablabla. Et je voulais prendre 2-3 photos. Et puis bon bah en gros on part en aventure. On arrête là le blablabla et les informations. Et puis on vous dit bonne vidéo à tous. Et à tout à l'heure. Ciao. Chaud. Un lac. Elle est où? Ah, attends là, c'est pas grave. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu. Vas-y, avance. Ça, c'est les bassins de refroidissement, ça. Et on est vachement visible, par contre. La route, t'as vu comment on nous voit?
règle. On ne touche à rien. Tu peux toucher quelque chose se dégringole. On ne touche à rien. Oh, le plafond, il est mort. Ça, c'est la cheminée. Ça va sous le plafond. C'était une usine de quoi ? Aucune idée. Tu peux pas mettre ça, ça va sous le plafond. La cheminée, la coupe dans le plafond, tu dirais une usine de garde. Dans la théorie, ça dépend du temps, mais il y a des où ça? L'escalier. Ouais, mais c'est un câble, ça va le câble. D'accord. Ok, ouais. Ouais, rien de spécial. Comment être discret? Sauf que pour faire demi-tour, il n'y a rien. Attends, je vais juste regarder de ce côté-là vite fait. C'est de la glace, ça ? Ouais. Oh putain, il y a une échelle. Ça, je kiffe. Tu le voyais pas. Aglaé, non. Non, Aglaé. Non, Aglaé. Y'a quoi? C'est quoi? Rien. Tu veux que je t'aide là encore? Ouais, parce que là j'ai peur. Oui, papa. À l'auberge. Des lacs. Vas-y. En gros, ben, on vient de sortir du lieu. C'était bref et rapide, donc la vidéo va être assez courte. Bon, on a pu prendre quand même quelques clichés assez sympas. Et puis bon, bah, on conclut comme ça. Vite fait, c'était cool. Vite fait. Ouais. Rapide. Bref, on est à Gérardmer, on est fiers de l'être. Et puis, bah, on rentre à Paris ce week-end. Enfin, voilà. On vous salue. Ouais. On vous salue, on vous embrasse tous. Et puis à la prochaine.
Ciao les amis, et la personne qui arrive au milieu. Yeah. Mind listening? Okay, guy.